Un mur, une grande image noir et blanc. Et cette grande image, 8 mètres sur 3, eh bien, c'est une vraie image d'Épinal. Alors, je vais repeindre un petit peu par-dessus pour donner des couleurs. Et par devant cette belle image de la forêt, je vais remettre une image à moi avec un gros bûcheron devant qui coupe des arbres. L'air de rien, tranquille, le Marseillais met les pieds dans un débat. L'homme et la nature, l'homme et son appétit de bouffer la forêt, bref, le méchant. Avec un personnage fort qui va apparaître, symbole de toutes les forêts gérées par l'homme, le bûcheron. Alors Moscato, à son rythme, balance pendant 3 jours ses nuances, ses couleurs, plus vives, comme ça, à coups de bombe explosive. Résultat, sur son mur, l'arbre ne se cache plus dans la forêt. Hey Steph, t'es content? Plutôt, c'est pas mal, le temps a été clément, le mur correspond à ce que je voulais faire. Les gens sont contents apparemment aussi, tout va bien. Même si c'est éphémère. Et moi, je trouve ça assez plaisant d'être recouvert par d'autres artistes après moi. Modeste, Moscato est le 9e artiste à s'exprimer sur le mur d'Épinal. En France, comme à Nancy et ici, il y a 21 villes qui font le mur.